picture. Do your silly do like a billy in a split ya. Hit your horn, style showing now. Exhale long and blow him out. Yeah, you in the danger room, come on up. Yeah, you in the danger room, come on up. What boy, you in the danger room. Hone your skills. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue. Et oui, vous avez vu ça? Incroyable, on se modernise sur Eloco Sim Racing TV et on se retrouve ce soir exceptionnellement parce qu'il y avait un désistement, j'avais rien à faire et puis j'avais envie de relever un super challenge. On va rentrer dans les détails juste après. On se retrouve pour la manche 3 de la German Cup et c'est notre ami Aldo qui est à la manœuvre directionnelle de ce championnat. On se fera le plaisir d'accompagner les pilotes de la poule C. Nous sommes sur le circuit de Sainte-Croix-B, un circuit qui va faire 7062 mètres de long avec 915 mètres la plus longue ligne droite, 44 mètres de dénivelé, 14 virages à négocier. Ils vont s'affairer pendant 17 tours ce soir. Il est 15h10, heure de piste. Et pour m'accompagner, le réalisateur de l'émission. Et oui, la caméra n'est pas là. Non, la caméra n'est pas là. Parce que j'ai un réalisateur ce soir. Notre ami GTS Boca Circa est dans la place. Bonsoir, Circa. Et salut à toi, mon ami El Loco. Et effectivement, ce soir, dispositif un peu particulier pour toi. Mon cher Fred, on va changer un petit peu. Et effectivement, on ne te voit pas, mais championnat exceptionnel pour notre ami Eldo. On va faire des mesures exceptionnelles. Donc voilà, effectivement, ce soir, je serai du coup à l'AREA en tant que consultant de notre ami Fred, que vous avez l'habitude de suivre. Et que dire de plus ? Une bonne soirée, à mon avis, ce soir encore. Par contre, eh bien, on me signale juste si c'était possible d'augmenter juste un petit peu le micro, parce qu'il semblerait qu'on m'entend de très très loin. Et je fais ça tout de suite et c'est fait. Et c'est fait, voilà. Effectivement, n'hésitez pas à nous dire hein, sur le chat les retours, qualité, son, image. Justement, BFRJ est déjà dans la place. Ça fait plaisir que tu nous casses. Ça faisait longtemps, c'est vrai, Jay. Il y avait vraiment longtemps qu'on ne s'était plus retrouvés ensemble, toi sur la piste et moi derrière le micro. Bonsoir à Aoki de la VGA qui vient soutenir les pilotes de la VGA. GT KRS Jérôme nous a rejoint. Bonsoir, mon ami Jérôme. Il te salue d'ailleurs, Circa. Eh bien, et salut à tous ceux hein, qui sont déjà nombreux sur le live. Et donc, c'est bien ma voix. Mais attends, tu sais quoi? Alors, on va essayer de faire autrement parce que, étant donné que je suis en freelance aujourd'hui et que je peux aller chipoter, ben voilà, je vais aller voir un peu le paramètre, voir si je ne peux pas augmenter, moi, de mon côté, le micro. Voilà. Ah, hésite surtout pas, ouais. Donner votre impression, voilà, sur ce réglage qui vient d'être peaufiné. Si ça sature, eh bien, il vaut mieux diminuer peut-être un peu à la régie sur la table de mix, plutôt, voilà. Damien de la GTBE nous a rejoint. Oh, ce soir, on va passer, eh bien, une bonne soirée. Espérons-le. Mais c'est sûr. Mais c'est sûr qu'on 14. Va passer une bonne soirée. Voilà, il semblerait que le réglage microphone soit... Mais c'est un peu logique aussi, hein, étant donné que Circa est à la commande à la partie et à la réalisation. Je n'ai rien à faire qu'à me laisser guider ce soir. Enfin, presque. C'est ça. Bah, presque. Tu n'as juste qu'à commenter la course, le spectacle que vont nous offrir les 14 pilotes ce soir, mon cher Al Loco. C'est-à-dire beaucoup, beaucoup plus facile du coup que d'habitude. Alors attends, je me mets sur le chat du coup, j'en profite de YouTube pour pouvoir effectivement saluer Damien, Jay et Jérôme qui nous ont rejoints, Aoki comme tu disais.
Et en espérant que bah, chacun y passe un bon compte. Je te laisse présenter les pilotes de la soirée. On va essayer de les suivre en même temps sur la piste l'un après l'autre, mon cher Fred. Je suis avec Tacfinks actuellement. Absolument. En fait, c'est lui qui a les meilleurs points et le meilleur classement au général. Il est 21e pour l'instant. Il représente la TFMR. Il a 80 points à son actif. Nous Je avons vais peut-être Hugo monter également. aussi, moi, monter sur la piste. Ce sera beaucoup plus simple, je pense. Nico Alors. de la Phoenix. Alors, on a C'est lui, c'est clair. 27-2007 qui est à 20, à 52 points, lui, déjà engrangé. Il est 29e et c'est un pilote indépendant. L'ami Mon ami Floggers. Fluggers en AMG ce soir. Nous avons normalement un pilote qui devrait nous rejoindre incessamment sous peu. C'est Matt Augustin Lopp qui n'est pas encore arrivé. Lui pour l'instant, eh bien 35e, 27 points dans son escarcelle. On retrouvera sur la piste Revdim Sapeur 46, 35e, lui aussi 27 points dans son escarcelle. On pourra saluer la belle prestation de Nouch, 33e au classement général avec 36 points dans son escarcelle. On a eh bien, un pilote qui vient de nous rejoindre et ce sera coéquipier de PHX Neko, nouveau pilote fraîchement arrivé. On a eu trois abandons et aussitôt, eh bien, les places étaient déjà prises. Je vais dire que c'est un championnat qui a quand même du grand intérêt. De la part de la communauté, et ça ne m'étonne qu'à moitié parce que voilà, c'était vraiment attractif comme présentation. Nous avons Onemamas sur la piste ce soir. Pilote de l'année. Ouais, on est compétition avec un digne représentant, 31e au classement général. Il a 42 points dans son escarcelle. Nous avons normalement GTAMB qui devrait nous rejoindre, qui lui est 37e, 26 points. Nous avons Revteam Toretto, la Revteam qui va être bien représentée ce soir. Toretto, il est 34e et il a 32 points. Dans sa besace, Nikos de la VGA. C'est un nouveau pilote qui nous rejoint. Ils auront tous la possibilité de faire les qualifications, ces nouveaux pilotes. Nous avons le Gris qui, lui, est pilote Ref Team. Il est 38e, 22 points. On a Free Spirit Ovo, pilote aussi de la Ref Team. Free Spirit, il est 39e, 22 points. Et on terminera avec Revteam El Missima, qui est 40e, 3 points. Et puis l'arrivée de notre ami PFR Jay. Ah, c'est un grand plaisir que de voir Jay de retour sur la piste. Ah, et puis c'est Doulou hein, qu'on a, mine de rien, pour. Une poule C. Alors moi c'est ce que je dis à chaque fois hein. Attention, attention, c'est pas parce que on est en poule techniquement la moins forte du championnat, c'est pas parce que c'est la moins forte qu'il n'y a pas de niveau. Et ce soir, au vu des pilotes, pour les connaître un petit peu à force de les croiser sur les pistes, on va avoir de sacrées belles batailles sur un circuit rapide qui va bien user les pneus sur 40 minutes de course. Ça va être intéressant de voir la gestion en plus des pneus. Bonne chance en tout cas, clairement, à tous ces pilotes.
ce que nous pouvons retenir, 17 tours à boucler au terme des 12 minutes de qualif. Une grille de départ avec vérification de faux départ. Le plus rapide sera le premier. La force d'aspiration est réaliste. L'usure pneumatique x4. L'évolution du carburant x3. Il n'y a pas de carburant initial. La limite de temps pour les bacs qualification, comme annoncé, 12 minutes sans usure ni consommation. Tout le monde est à la même égalité pour réaliser la qualif. Bien sûr, nous sommes dans la catégorie groupe 3 avec un équilibre de performance activé. Les pneus de course tendre à course dure. Les paramètres sont interdits. Les principales pénalités, il n'y en aura pas. On va faire un arbitrage. On demande bien sûr beaucoup de rigueur aux pilotes, mais il y aura de l'arbitrage si vraiment on en a besoin. Toutes les aides sont interdites sauf l'ABS. Ça, c'est une chose. Voilà, prépondérante. Moi, pour moi, on est go. On est go. Ils sont 12. Je n'ai pas. Je peux peut-être vérifier si j'ai des arrivées de dernière minute. Je vais regarder vite ça. Non. Voilà, et c'est formidable, je peux même aller trifouiller dans mon... tu peux tout trifouiller, mon cher Fred. Écoute, c'est ça la beauté. C'est ça la beauté d'avoir un réalisateur rien que pour soi. C'est que tu peux faire ce que tu veux. Tu vois, là, je suis en train de présenter le tableau des temps pendant ce petit warm-up où on peut voir que Tacfings, du coup, occupe le meilleur temps autour... Pour ce warm-up de 7997, on a Nico et Nouche de la Phoenix qui se suivent avec un 2.8579 et 2.8938. Nikos de la VDA qui suit également en 2.8983, des temps très très serrés. Rien que pour ces 4 pilotes, on peut continuer sur la suite, mais ça va nous promettre des qualifications très très serrées, mon cher Loco. Eh bien, tu sais quoi ? On va le vérifier de suite. Allez, lance-nous tout ça. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, installez-vous confortablement. Vous avez pris votre petite boisson rafraîchissante pour la durée du spectacle, parce que les hôtesses ne passeront pas pour ne pas vous distraire, bien sûr. Hein. Il faut prévoir à l'avance le petit pipi, la petite boisson, et puis plus si affinité. Eh bien, voilà, j'ai même pas peur. Dans 9 secondes, lance. Paf. On y va. On y va. On va rassurer CPR. Dedans. Mon ami CPR, ne tracasse pas, tu verras encore ma bouille. Ici, on fait un essai. Alors, on a RCR Grouli, désolé, mais il n'y a pas de poule B. Mais si elle arrive, elle arrive. CPR est donc dans la place. Elle est, alors, la poule B, attention, normalement, elle est sur YouTube, GTS Boca TV, au cas où, peut-être sur Twitch, sur la chaîne de Touch Racing, si le flux YouTube a un souci. Voilà, petite oui. Précision. Alors, du coup, quel est le premier pilote à s'être relancé, mon cher El Loco, et ben c'est le Grips de la Rev Team. Alors, on va aller voir ça. Tu m'as dit que c'était... Ah, et Sapeur nous annonce un bug. Sapeur nous annonce un bug. Toretto également. Ah, effectivement, des pilotes qui ont l'air d'être... J'ai trois pilotes qui sont bloqués dans le stand. Allez, ça sent le premier petit restart pour bug, I think, maybe. Ok, allez, restart alors, hein. Ouais, avant le... le premier tour. Tiens, allez, hop, voir les paramètres. C'est vrai que je t'avais dit tout à l'heure que c'était la première chose que je faisais et j'ai oublié de le faire. J'enregistre le salon au cas où. On le voit bien. Toujours très discret le restart, toujours. Non mais t'as raison, moi, on voit bien la red cross, please. Ah, merci Gran Turismo. Alors bon, attention, hein, comme je dis, c'est pas non plus que de la faute toujours de Gran Turismo. On jette souvent la pierre à Gran Turismo, mais à leur serveur, mais c'est pas toujours que de leur faute non plus. Mais là... Parce que, en fin de compte, qu'est-ce que ça coûte d'inviter ou de devenir ami avec les gars que tu vois toutes les semaines, quoi ? Je comprends pas, moi. Ça... C'est ça. Mais tu sais, c'est ce qu'on dit parfois. Voilà. Il y a ces petites guerres inutiles entre teams qui peuvent arriver et tout. Oh oui, mais lui, si.
Mais en soi, justement, pour permettre de belles courses, avec de belles images, des compatibilités, comme tu parles souvent des compatibilités, du coup, en étant dans la liste d'amis de quelqu'un, on a une meilleure compatibilité. Et ça c'est vrai, malgré des connexions de fous furieux, ça aide, ça joue. Comme dit Sapeur, bien nettoyer ses caches, effectivement. Et comme toi, j'ai pas vu, mais. Tout ça fait que si les gars jouent tous le jeu, les serveurs de Gran Turismo s'en porteraient également beaucoup mieux. Alors bien sûr, comme d'habitude, donc on a le Grips et Sapeur. Voilà. Allez, Torato, petite croix rouge, s'il te plaît, pour compléter vite fait. Ah non, c'est Sapeur là Allez, qui manque. c'est Sapeur ouais, qui chipote un peu quoi. Alors quand je fais la petite caméra, moi je vois afficher Ah Toretto. ouais. Ouais, mais c'est un Belge. Ah voilà. Voilà. Voilà, merci. Merci, merci. Thanks, bro. Voilà, thank you. Ok, videz vos caches, bien videz vos caches, messieurs. Ah bon, on est déjà Et tu sais reparti quoi? pour certains Même moi je vais avant. le faire. Tu sais quoi? Dans le doute. Et tu sais que ce que je vois, voilà, moi aussi c'était déjà fait depuis le départ. Hein. Je fais toujours, 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 toujours ça. Et Ah, on va je attendre crois que, Toretto. alors, Pas de ma soucis, masse. Sapeur. T'as été relativement vif. Voilà, prenez tous la piste. Allez, merci hein, à tous ceux qui nous suivent ce soir. Vous êtes quasiment une vingtaine. Ça Ouais, fait presque. plaisir. Ouais, N'hésitez pas à presque. soutenir notre ami Alonco, il le mérite. Il le mérite. Sodoudou, Team FM Racing. Il vient supporter Taxfinks. Allez, la TFMR. Nouche est sur le live aussi. Bonsoir à tous. Bonsoir à moi et à Sirga, bien sûr. RSCA en force. Allez, Rêve Team. Ah bah la Restim comme tu disais tout à l'heure, hein, qui est bien représentée ce soir, Mishima, Toretto, Le Grip, Sapeur, Free Spirit, bien représentée ce soir, hein. 5 pilotes sur les 12 partants. On y va. Écoute, ma foi, moi je suis prêt. Je suis chaud patate, j'attends qu'une chose, c'est le lancement de ces qualifs sans bug. Sans bug. Ce serait bien, ouais. Ah, de toute façon, après, c'est ce que je dis. La course est longue, 40 minutes, il y a le temps. Partir en fond de grille n'est pas forcément un handicap. C'est un petit handicap. Ok, c'est toujours mieux de partir devant. Mais ça peut permettre de voir les choses arriver, de voir les fautes de certains pilotes à arriver tranquillement et de grappiller quelques positions dès le départ. Alors que, ouais, je l'ai vu, il y a encore des petits bugs là pour Toretto. Et c'est les mêmes pilotes, hein, malheureusement, en plus, qui bug. Est-ce que ça serait pas eux? Tu vois, comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément Gran Turismo, ça peut être leur connexion qui est pas suffisante. Et malheureusement, bah, je ne vais pas en refaire 50 Non, mais ce soir, quoi, tu c'est vois. pour ça. Toretto, si tu nous entends, écoute, moi je te propose le fond de grille. Ne fais pas la croix rouge, on continue ces qualifications. Je sais que c'est pénalisant, ça fait pas toujours plaisir, mais en même temps, ça permet toujours de continuer cette course. Et que voilà, 40 minutes, t'as le temps de nous faire une petite remontada. Ne t'en fais pas. Le rythme et la gestion de course. J'ai quitté, je relance. Mais non, non, Toretto, s'il te plaît, non, 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 non. On va pas pouvoir faire grand-chose après. Trop de retard, tue le retard. Là, c'est impossible. Il a quitté. Pendant ce temps-là, Rêve Team Elmissima s'était lancé le premier et Jay est en train de lui faire la politesse. Attention, c'est une séance de qualification, hein, c'est pas encore la course. Neko vient aussi s'intercaler juste derrière Jay. On a de la Porsche ce soir. Ah bah c'est spécial allemande, hein, j'ai l'impression que ce soir c'est plutôt combat AMG Porsche. Hein. J'ai vu une BMW Beetle. et
M6 aussi, ouais. Attends, dis-moi, voilà, Porsche, on a de la On va Mercedes, faire forcément. un restart. Je pensais le loco, ça peut aussi apparemment qu'il a bugué. Mais c'est le dernier. Par contre, messieurs, c'est le dernier restart. Après, on peut vraiment rien faire. Parce que voilà, on a pris trop de retard, etc. Dis-moi ce que t'en penses, Fred. Mais voilà, jamais 203. On Ouais. accepte le troisième, mais c'est le dernier Ok. par contre. Alors normalement, il faudra que relire. Mais tu le connais aussi bien, enfin mieux que moi plutôt le règlement. Je ne sais pas. C'est uniquement pour bug. C'est uniquement pour bug. Il n'y a pas de restart pour crash ou quoi que ce soit. De toute façon, j'ai envie de dire, moi, mon avis personnel, c'est la gestion du véhicule. Donc, s'il y a crash, c'est une mauvaise gestion de véhicule. C'est une mauvaise gestion du risque aussi, exacté là. Mais voilà. Les bugs sont autre chose. On connaît les serveurs Gran Turismo, on connaît les connexions aussi de certaines personnes. On sait que ça peut être compliqué. Mais du coup, par contre, il faut aussi que Toretto et Sapeur acceptent de partir en fond de grille s'il y a bug. S'il y a bug, là, c'est de leur. Ça ne peut être que. Ça ne peut pas être nous. Il n'y a que eux qui bug et uniquement eux à chaque fois. Donc. Le fond de, moi je propose le fond de grille si jamais il continue de bugger, malheureusement, je précise bien, mais au bout d'un moment il y a une course à faire. Il faut faire ses qualifs, messieurs. Toretto, Sapeur, rejoignez-nous vite. On lance les qualifications et malheureusement si vous buguez, c'est le fond de grille. Il faut, voilà, comme dit JMM sur le chat, il faut qu'on soit tous là, etc. Mais Mais en fin de compte, voilà, moi, on a fait deux essais, il n'y en aura pas trois, et malheureusement, voilà, advienne que pourra. Et des fois, tu as un bug de stand, mais quand tu lances la course, eh bien, tout va bien. ça passe très bien, quoi. Et prendre le risque d'ouvrir un autre salon, ben, c'est prendre le risque de déplacer le problème et Exactement. que ce soit peut-être d'autres personnes, alors à Petit ce bug, moment-là, qui étaient exactement. compatibles pour un et qui ne le sont plus pour l'autre. Pour d'autres, Donc, exactement. ouais. Exactement. Allez, on attend Sapeur. Il est 21h28, 21h30, on lance les qualifs, hein, mon cher Fred, du coup. Ah, normalement, on devrait déjà être Déjà même être presque en course, dans la ouais. course. Dans la Dans la course, course, on va ouais. avoir un peu de retard ce soir et on s'en excuse, cher Ayrton, visionneur. si tu nous entends, désolé, hein. Organisateur de championnat, notre cher Aldo de la VDK. Beau championnat, un Alors. spécial allemand. Jawohl. Avec 5 H Ah, ça c'est l'andouillette avec 5 A. Et maintenant il y a l'allemand avec 5 H. Pourquoi pas, pourquoi pas? Nous on avons des concepts ce soir. Voilà. Oui. Restez dans le stand. De stand. Au pire, vous. Hop, je m'excuse, mais là, je suis en train d'écrire un message. Et là, vous ne voyez pas ma belle tête, mais oui, je ne sais pas faire tout. Même comme C'est ça, je ne beau. sais pas faire de cheveux. Donc, si Buck restait dans. Ouais, hop, il faudrait peut-être mettre un L. Peut-être le stand. Au pire, vous partez fond de gris. Allez, si Partez. Sapeur peut nous rejoindre, ça peut être cool. Après, je pense qu'il a dû Fond redémarrer directement la play. de gris. Sapeur, 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 vite, 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 vite. Allez, 30 advienne que pourra, on lance. Si les pilotes de la Ref Team nous entendent et qu'ils peuvent essayer de booster Sapeur pour qu'il soit là au moins pour les qualifs, même s'il bug et que c'est un fond de grille, mais au moins qu'il soit là pour la course, pour la beauté, toujours pareil, hein, éviter de pénaliser les connexions un peu latentes. Eh oui.
J'aime bien ce petit format là. Alors qu'il arrive, il Et arrive Jen nous pas. Le propose. voici, le voilà. Ah, super. En Le plus, au voilà, le moment où voilà. Jen nous proposait de lui laisser 5 petites minutes, il est là. Nickel, ça perd. Nickel. Tu sais bien, il faut mettre toujours un peu la pression. Et puis voilà, ouais, mais non, ouais, attends, moi je suis vraiment. Voilà, si même on part à moins un quart, moi, c'est. Voilà, ouais. J'en ai jusque. Oh, je suis dispo jusque 6h30 demain matin, donc. Il faut que je dorme quand même une heure ou deux, quoi. Mais Mais il on n'y a risquerait de aucun perdre notre souci, quoi. pilote. Mais on risquerait d'être pilote. Et une partie du public, peut-être aussi. Une partie du public, mais on en récupérait peut-être une autre plus nocturne, tu vois. Ouais, faut ouais. voir. Ah, peut-être faut que oui, voir, c'est vrai tu que vois. nos amis Canadiens, québécois. québécois, notamment. Ouais, J'ai ouais. la GTCQ Ouais, que je salue au passage. Marco, si tu nous entends. ouais. Allez, pas de soucis, Sapper, il est sur la piste, on est bien 12 sur le terrain, et ben moi, loco, on est full. Tu peux lancer ces qualifications malgré tout, quoi qu'il advienne, advienne que pourra. Yes. Yes. Allez, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. German Cup, manche 3. Nous sommes sur Sainte-Croix-Bé. Nous sommes dans le sud de la France. Au bord d'un charmant petit lac. Nickel. Et salut Aldo, salut mon petit. Non, il manque pas de pilote. Ouais, CPR. C'est exactement ça, c'est ça la technologie, quand on écrit un message, ça l'envoie partout. Il me manque, oui, Aldo, il me manque GTAMB, pilote indépendant, qui ne nous a pas rejoint, et il nous manque. Ben, je crois que c'était tout. Et alors, Matt Agunstilop. Agunstinlop, qui n'est pas donc deux pilotes. GTAMD et Matt Agunstinlop, qui ne nous a pas rejoint. Voilà. Enfoiré! Nous aussi, on t'aime, Aldo. T'as vu ça, ce qu'il nous a mis sur le chat? Qu'il aime les zizi. Parce qu'en fait, il fait coucou les zizi d'amour. Parce que bon, hier, ça a fait un peu le buzz, notre idée de collaborer tous les deux, quoi. Et voilà. Et tant mieux si ça fait le buzz. Vraiment, vraiment tant mieux. C'est vrai que c'est un binôme assez original hein, pour caster. On n'a pas l'habitude de voir deux casteurs caster ensemble. Et c'est un message que je profite pour faire passer. Ça fait vraiment plaisir d'être avec toi et le loco. Et bah c'est ce qu'on dit, partager, etc. Ensemble, il n'y a pas de. Oui, moi je travaille pour moi, etc. Non, on est là tous ensemble pour partager une seule et même passion de sim racing. Et voilà. Et c'est pour ça que c'est une belle soirée. C'est une belle soirée sur la Loco Sim Racing TV, les gars. Et c'est The Place to Be, clairement. Et mon loco. Voilà. Qu'est-ce que tu Donc, dises de plus? Sapeur 46 et Toretto, eh bien, ont vraiment, vraiment des soucis pour rejoindre la piste. Messieurs, restez bien dans le stand. Vous aurez quand même la possibilité de démarrer la course. Et alors là, il y aura, on avisera toujours à ce moment-là si le bug persiste. Meilleur tour en poule à 2,05, 560. Bon temps de Ah référence, bon temps de référence, effectivement. Moi, j'ai vu des chronos en 2,6, 2,7 sur les salons d'entraînement, mais alors du 2,05, j'avoue que ça va très fort. Ça va très très fort.
GoFast Motorsport, bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir choisi Helloco Sim Racing TV pour passer la soirée. Et bien voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous rejoindre. Nous sommes un peu en retard, mille excuses chers amis. On a des petits soucis de cohésion et de compatibilité pour rejoindre la piste ce soir. On croise les doigts pour qu'au moins ils puissent prendre le départ, même si ce sera en fond de grille. Mais bon, voilà, espérons-le. Là, c'est Dax Sphinx qui est en train de boucler son premier tour. Premier en tour rapide, non ? Faire le tour de référence pour cette poule C, Dax Sphinx. Circuit rapide, on rappelle, mais attention aux petites bordures piégeuses, notamment au niveau du pont, hein, juste à l'entame du pont. C'est un passage assez fatal ici. Non, notre sapeur, je sais pas si tu nous entends sur le live ou quoi. Non. Les qualifications, voilà, elles sont effectivement compliquées. Mais tente le départ quand même. Et ouais, voilà, tour de référence 27395 pour Dax Sphinx. J'ai de 11574, mais qui a dû clairement, à mon avis, avoir une erreur dans ce tour. Nouche en 2-8-837, Nikos 2-8-043 qui vient prendre provisoirement cette deuxième place. Le Grips qui va passer. Floggers en 2-07-895. Mama 5ème rang. 2-9-273. Oh, Nikos Vedea. Lui, eh bien, troisième temps pour l'instant. 2-08-043. Ah ben, il vient de se faire souffler par Floggers, qui améliore de 148 millièmes par rapport à Nikos. Eh, c'est Naiko qui vient de s'emparer de la poule à 5 dixièmes, là, 2-6-910 pour Naiko, le pilote de la Phoenix Racing Team. Ouais, ça sort là. Ouais, ça sort là. Dommage. Ah, c'est dommage. Ah, ça, c'est la pose du caster, hein. Chaque fois qu'on se met sur un pilote, forcément, il va partir à la faute. Souvent, oui. 485 millièmes déjà d'écart. Il reste un peu moins de 6 minutes. On est arrivé déjà à la moitié de cette séance qualificative. Non, ce n'est pas un championnat Rev Team ou quoi. C'est un championnat où, bien, oui, la Rev Team s'est inscrite en nombre. Et comme à l'accoutumée, ils sont assez bien représentés sur la plupart des championnats. Et ben voilà, ils ont leur place et puis tant pis pour vous si vous n'avez pas été assez vite. Mais ouais, il est vrai, hein, c'est le jeu des inscriptions, premier arrivé, premier servi. Mais voilà, la Rev Team a été bien informée du championnat et c'est inscrit en nombre et ça montre l'intérêt. Attention, Jay dans la place. Ah ouais, Jay vient de faire un 2-0-700. Ouais, mais il est sorti large, là, je l'ai vu un petit peu dans l'herbe, il laisse passer Dax Sphinx, troisième trempe provisoire. Mais, belle entrée en matière, hein, gagne... 4 secondes, ouais, quasi 4 secondes et 400 millièmes sur un tour. Ok, Jay dans la place, on va le surveiller, 190 millièmes ouais, de retard sur Naiko. Du coup, tour terminé pour celui-ci, probablement un prochain tour. Ah non, j'allais dire autant pour moi, tour stand, mais pas d'usure pendant les qualifications, c'est vrai. Non, absolument, ni usure pneumatique, ni conso. En fait, ils vont garder certaines équités les uns les autres. Ah bah voilà, Toretto a quitté. Ouais. Dommage, le message était passé pour sa peur, mais Toretto semblerait-il impatient. C'est dommage. C'est dommage. Alors, voilà, moi, je suis sur le départ. Dis-moi tout. Oui, je suis sur Nouche,
qui 2,08,098 pour le pilote de la Phoenix. Et ça fait toujours un petit pincement d'avoir d'anciens équipiers sur la piste et un clin d'œil à la Phoenix. Et bien sûr, on les retrouvera aussi sur de nombreux championnats, dont un international qui arrive incessamment sous peu. Belle sixième place pour l'instant pour Nouche. Une seconde 175 d'avance sur Onemamas, qui est juste là derrière. Ah oui, avec sa Beatles. Ça va être un peu compliqué, je pense, pour Mamas. Une des rares Beatles, de ce plateau. Et toi, tu parlais de la Phoenix, et c'est Naiko hein, pour l'instant qui représente aussi la Phoenix correctement dans cette poule C avec un 2,6,910 qui l'emmène en pôle provisoire, mon cher El Loco. Absolument, absolument, à bord de cette Mercedes AMG GT3 de 2016. Eh bien, belle performance pour le pilote de la Phoenix, avec maintenant plus que 0,94 millième d'avance, ou 0,094 millième pour nos amis belges et suisses. Et voilà, donc on fait les traductions francophones. Mais attention, en amélioration, en violet sur le deuxième secteur, Naiko, est-ce qu'il va aller améliorer ce meilleur temps autour? Et oui, 2,6,873 pour Naiko. Allez. De peu, mais c'est en amélioration quand même. Il vient écarter encore un peu l'écart avec Tacfins. Mais voilà, maintenant le pilote Tacfins, voir où lui se situe dans ce mi-parcours. On arrive plus ou moins à la moitié du circuit maintenant, dans ce virage droit qui relance sur cette ligne droite légèrement tournante sur la droite. Il est en bleu, on améliore. On n'est pas en mauve, mais bon, il y a 131 millième d'écart entre Tacfins et Naiko. Chez Neka, même pas 100 millième de Tacfins. Donc, on a trois premiers, 227 millième d'écart entre les trois premiers. Nico de la VDA, lui, pointe à 2,07,420. Il est à 547 millième d'écart. Allez, j'attends maintenant le passage de Tacfins. Judicieux. Allez. Oui, non, oui, non. Eh, ça suffira pas. Ah, dommage. 83 millièmes. 2,06, 956. Pas grand-chose. Et tu sais qui améliore également de 6,996 à 40 millièmes de Tacfins. Nico's en amélioration de 770. Ah, c'est serré, ouais, hein, ouais. Le trio. Ouais. En fait, les quatre premiers, là, on s'y a sur 397 millièmes. Bah oui, monsieur Toretto, voilà. Et là, je ne peux plus rien faire pour toi. Mais vraiment plus rien faire. Je suis vraiment... Écoute, mon Damien, un mouchoir de poche, écoute, j'ai envie de te dire, même un mouchoir de poche est plus serré que ça, hein, 312 millième entre les trois premiers, c'est vraiment chaud. Ouh, on nous annonce des soucis sur au départ de la poule A. Malheureusement, pas de restart prévu. Et donc je suis plutôt en filigrane de ce message que quoi qu'il advienne, eh bien, il n'y aura pas de nouvelle possibilité de restarter. Nous avons épuisé tous les restarts possibles. À notre plus grand regret. Mais on appliquera. La volonté de VDK Aldo, c'est lui le patron ce soir pour cette VDK. Ah, el patron, el direction. De la direction. Ah si, el patron doit prendre la décision et Jack qui se sort un peu large là. Ah, ça sent, il laisse passer tranquillement. Et un tour cuit du coup pour Jay. Naiko toujours à 272 millièmes pour être précis de Tacfins. En deuxième position, toujours 40 millièmes d'avance sur Jay. Est-ce que c'est une amélioration? Non.
pas d'amélioration. Jay toujours en troisième position. On a Nikos de la VDA du coup à 586 millièmes exactement de Naiko. Flockers, par contre, voilà, c'est 4 pilotes du coup en moins d'une demi-seconde. Et après, premier mini trou, j'ai envie de dire, mon cher Loco, entre Nikos et Flockers qui passe à une seconde de la pole provisoire. Mais voilà, les trous se font quand même sur la deuxième partie. Des pilotes voilà, qui ont fini leur qualif, comme Nouche, sixième temps confirmé. On fait un petit récapitule à partir de là. Bah, je vois que tu es sur le 6, la 7, voilà, 7. On est Mamas, 209, 273, 8e pour Rev Team El Misima, 209, 321. On a en 9e position Rev Team Le Grips, en 210, 809. Sur la P10, on retrouvera Free Spirit Ovo, qui, eh bien, je n'ai pas de temps référence. 2-11-0-15 pour Free Spirit. Ok. Ok, ok, ok. Ah oui, tu le prends de cette manière-là. Ok, oui, très bien. Oui, ouais, ouais, ouais. Dernier temps. Ok. Et voilà. Qualif officiellement terminé. Et ça va être parti. Ça va être parti pour ces 40 minutes de course, mon El Loco. Une dinguerie qui s'annonce. Allez, je vais faire le screen de qualification. Voilà, je le prends. Merci. Et donc, moi d'habitude, eh bien, je me mets sur la moitié du peloton en vue arrière. Comme ça, je prends avant-arrière. Eh ben, ma foi, là, et je alors, suis sur Tax Sphinx qui nous offre une belle vue générale. Et alors que ça a bloqué en fond de peloton, il y a eu un petit bug. Mais comme on dit, on n'a pas pu faire de restart. Et Daiko attaqué tout de suite par Tax Sphinx par l'extérieur. J'ai juste Flockers qui a pris une belle, belle attaque. Deux positions de gagner pour Flockers. Alors ce sont les Mercedes qui ont pris le pas sur le reste du peloton. Les quatre premiers véhicules, ce sont des Mercedes. Jay est en embuscade sur la cinquième. Nikos, eh bien, voilà, mauvais départ pour lui avec sa Porsche. Il pointe sixième. El Misima, septième. Mamas est sur la 8. Free Spirit Ovo, 9. Le Clips et vient de sortir de la piste et accident pour le Grips. Rev Team le Grips, on a perdu donc Toretto et Sapeur dans la foulée malheureusement, et Taxins eh bien s'en va alors qu'on a un décrochage de Neiko. Neiko, carrément un décrochage. Alors on va oui, moteur cassé. Ah ouais, moteur cassé pour Neiko, ouais. Moteur pour le pilote de la Phoenix. Oh, ouf, alors comme quoi tu peux être très rapide en qualif et malheureusement te faire surprendre. Et surtout qu'en plus c'est un circuit qui est très traître, hein, une fois que la casse moteur est là, parce que c'est un circuit qui est très très rapide. C'est beaucoup de temps perdu. Par contre, attention à ne pas perdre le moral, il y a 40, plus ou moins 40 minutes de course, il y a 17 tours, il y a le temps, Sainte-Croix est très long, très rapide, il y a le temps de rattraper les poursuivants. Et puis, qui dit erreur pour l'un, possiblement erreur pour l'autre. Donc, ne pas lâcher l'affaire. Hein. Bénéfice pour les autres. Attends, Flockers là, il fait deuxième maintenant. El Misima est troisième, rappelons-nous, de la qualif. Hein. El Misima qui va rentrer là maintenant dans le stand pour faire réparer. Ah oui, obligation de réparer dans le tour, c'est ça? Il me semble qu'il y a quelque chose comme ça, mais à mon avis sur Sainte-Croix, je pense que la logique voudrait que tu dois réparer une aéro. Selon les circuits, voilà, c'est stratégique, tu répares ou tu répares pas. Mais Sainte-Croix, comme on dit depuis tout à l'heure, c'est un circuit qui est tellement rapide. Si tu n'as plus d'aéro, comment tu veux garder de l'agressivité, de la compétitivité? Tu peux pas te battre face aux autres si tu perds de l'aéro, je pense, sur Sainte-Croix. C'est pas possible. C'est pas possible, bon, et alors, du coup, obligé de passer au stand. Et du coup,
Eh ben du coup, c'est Mamas qui fait la bonne opération là pour l'instant. Il est troisième avec sa VW Beatles. Il y a Free Spirit. Et alors là, on est dans un mouchoir de poche. Voilà, décalage de Jay sur Spirit, Free Spirit. Et il semblerait que Jay ait l'avantage avec sa M6 qui va avoir les plus grosses coronesses sur le freinage. Eh ben c'est Free Spirit. Devant. C'est Free Spirit qui garde. Mais Jay qui passe! Oh là là! Magnifique! Magnifique! Eh oui, le croisé, il a laissé, il a joué l'intox, il a poussé dans ses retranchements. Jay, je suis sûr, a freiné à son point de freinage. Et le petit moment de retard pour Free Spirit, eh bien hop, balustrade. Et, allez, Jay emmène le peloton. Il est suivi de Nouche, le deuxième pilote de la Phoenix. On a vraiment là un quatuor, couteau entre les dents, prêt à en découdre. Et on a c'est parfaitement équilibré. BMW, allez, Nouche qui passe sur Jay dans la place. Pendant ce temps-là, sur la tête de la course, eh bien, on s'envole littéralement. Il y a une demi-seconde entre les deux hommes. Si Taxin est le leader, eh bien, Floggers 27 2007, eh bien, ils s'entendent comme larron en foire tous les deux, avec près de 8 secondes maintenant d'avance sur Mamas qui vient de lécher le mur en sortie de virage. Jay va repasser dans le stand maintenant, et c'est Nikos de la VDA qui va emmener Nouche et Free Spirit pour un prochain tour. Nous sommes à l'entame du troisième et ça a déjà pas mal bougé sur la piste. Il nous reste plus que 10 concurrents. Malheureusement, on en a perdu 2. Et on a Jay au 8e rang. Jay qui a perdu beaucoup de positions hein, dans ces batailles. Mamas du coup. Troisième, comme tu disais, Nikos qu'emmène un petit peloton. Free Spirit et Enouche juste derrière en embuscade. Cette attaque du freinage du pont, comme je l'appelle, qui est fatale. Hein. Très, très, très piégeux. Et voilà! Tu vois, au moment où je dis ça, Free Spirit qui se fait surprendre. On va regarder ce qui s'est passé. Ouais. Sur Free Spirit, bien sûr. Sorti là, contre le mur. Et il le prend de plein fouet. Voilà. On le voit tourner en toupie. Ah, et en plus, il vient taper Nouche. Hein. J'ai l'impression. Nouche aussi, malheureusement, des dégâts pour le pilote de la Phoenix. Dégâts moteurs pour Nouche. Et Free Spirit, ça va profiter à Jay de la BFR. Qui était 8e, qui va pouvoir remonter au 5e rang suite à cet accident. Ah, et la ligne droite là qui va leur faire mal. Là, Nouche et Free Spirit. Beaucoup, beaucoup de temps perdu. Bah, surtout Nouche, qui ne demandait rien. Je pense que lui, il est très très bien mis en sortie. Et Free Spirit vient littéralement lui exploser la figure. Contre toute attente. Et donc, oui, Jay va faire la bonne opération. Il revient déjà P5. Il a 21 secondes de retard sur la tête de la course. 9 secondes sur le pilote de la VDA, Nico Z. De la VDA, 9 secondes ouais, confirmé maintenant. Et tandis que Nico, eh bien, est en train de remonter. Cravache lui pour remonter sur Mamas. Ouais. Ouais. Alors, le pilote de la Honey Competition va-t-il pouvoir conserver cette troisième place au vu de la remontée là de Nico? Il lui aura fallu un peu du temps pour rentrer dans la course, mais ça y est, il y est. Et il y est bien, hein, ça y est. Oui. L'aspi est là. Pourquoi? Pourquoi ne pas viser la lune hein? Un top 3, c'est toujours plaisir. Un top 5, c'est déjà pas si mal. Hein? Et puis, voilà, Meiko, on travaille là pour remonter. Il est déjà revenu 6e, malgré tout. Donc, ça bouge pas mal. On a l'Elimissima au paddock avec Nouche et Free Spirit. Forcément, la réparation moteur qui va bien. Les deux pilotes ressortent devant Elimissima. Et c'est le Grips qui ferme la marche du peloton. Allez, messieurs, on vous laisse travailler. Et s'il grosse vous plaît, bataille en tête avec Fingsfloggers là qui se bataille ouais, là pour prendre le
les devants de cette course, la ligne droite qui va certainement profiter à Flugers, hein. Les deux ils sont en AMG, même moteur, il n'y a pas de différence. Flugers qui va pouvoir certainement aller attaquer Tagfings. Eh bien, en fin de compte, il y en a une de différence. Et voilà Flugers à l'intérieur qui se montre. Ouais, mais non, c'est non. Et alors, en fin de compte, il y en a bien une de différence, c'est la consommation carburant et l'usure pneumatique qui est pour le moment légèrement en désavantage pour Flugers. Je pense qu'il essaie d'accrocher les wagons pour rester au contact de Tagfings et donc de ce fait-là, bah, il est un peu plus gourmand sur la conso et sur les pneus, donc ça, il va falloir vraiment suivre ça de près. Et attention, c'est vraiment tout léger. Du véhicule de Flugers. Flugers qui attaque. Ah, bel intérieur. Ouais. Magnifique attaque de Flugers là au frein. Pas résister. On voit les images de cette belle attaque vue intérieure. Il aurait pu se laisser surprendre par le freinage du pilote qui le précède, mais non, il rentre très très bien, mais mieux que son adversaire. Et là maintenant, eh bien, Tagfings, lui, va devoir accrocher les wagons, rester au contact de Flugers. 2.08-2.129, c'est le meilleur temps sur la piste. Il vient de prendre la tête, et donc c'est un petit peu logique. L'histoire de la course est en train de s'écrire. Allez, redécalage. Pilote Rêve Team, si mes souvenirs sont bons. C'est Tagfings qui est. TFMR, oui, et Flugers, c'est un pilote indépendant. Ah, c'est ça, mais en tout cas, pilote indépendant, mais qui monte, qui mérite de ne plus l'être. En tout cas, pour l'instant, qui se défend bien face à Tagfings malgré cette ligne droite qui est fatale avec cette inspiration qui. Est-ce que tu as vu l'écart, donc le temps en piste, il y a 65 millièmes, 66 millièmes de différence entre les deux pilotes pour leur temps en piste. Il y en a un qui fait un 2.08.229, le second fait 2.08.305. Autant vous dire que on se tient très très fort. GTS Boca Gazou. Salut mon Gazou. Et on a 10 secondes maintenant. 10 secondes d'écart. Un premier retardataire, le Grips. Entre les deux leaders. Et puis alors on a un pilote un peu isolé là sur la P3. À bord de cette Porsche 911 RSR de 2017. Notre ami Nikos, ouais, dans un no man's land, 11 secondes devant, 7 secondes presque derrière avec Jay. Jay qui remonte lentement, mais sûrement, hein, qui a eu un début de course compliqué, qui s'est retrouvé en 8-9e position à la fin du premier tour. Et voilà, le trafic, hein, gestion du trafic, c'est pas forcément évident tous les jours. 2.08.786, c'est le meilleur temps en piste pour BFR. La BFR, eh bien, voilà, au terme des deux premières manches, eh bien, ou à l'entame de la troisième, eh bien, c'est bien sûr la BFR qui mène les débats, point de vue du classement des teams. BFR avec 271 points est suivi de la VDK avec 246,1 points. La Storm est troisième, 228 points. On retrouve la PCS en quatrième position avec 180 points. La TFMR est cinquième avec 160 points. Sixième, on retrouve la Honey Competition, 178 points. Alors, il y a une petite erreur, alors. Hein. Ouais, c'est ça. Septième, EPRT pour EP Racing Team, 152 points. Ils sont septième. La VGA est huitième avec 140,5 points. La MP Racing est neuvième avec 128 points. La Phoenix est dixième avec 114 points. La
Les indépendants sont 11e avec 110,1 points. La Rêve Team est 12e avec 83,3 points. Et la MAT est 13e avec 54 points. C'était à souligner. De nouveau, la BFR survole déjà le classement et on est le leader actuel. Et j'ai félicitations à eux, du coup. BFR, mais ce n'est que provisoire. Attention, bien sûr, la suite peut promettre de sacrées surprises. Toujours Flogger Stackfinks en bataille pour la tête de cette course après 7 tours sur Sainte-Croix. Ce circuit toujours très très, tout en étant rapide. Le No Man's Land pour Nikos, comme tu disais, le pilote de la VDA. Mais il s'agit d'une piste originale sur le thème du lac de Sainte-Croix, qui existe dans la région Provence du sud de la France. Il y a trois configurations et celle qui nous anime ce soir, c'est la piste B. Piste qui contient des virages composés de formes géométriques telles que des angles de 90 degrés ou des angles radio. Il y a aussi des dispositions inversées pour chacune de ces pistes. On rappelle que Sainte-Croix, c'est 7062 mètres de long. Total 915 mètres, la plus longue ligne droite. Il y a 44 mètres de dénivelé et 14 virages à négocier. Certes, oui, technique, mais très rapide. Donc, un circuit qui va favoriser les véhicules qui a du couple plutôt que des petits moteurs turbo où là, c'est un peu plus compliqué pour eux. Parce que, oui, certes, dans la partie technique, ils peuvent faire la différence, mais il y a quand même pas mal de lignes droites ici. Et malheureusement, pour les petits moteurs, ce sont les gros V8 ou V10 qui prennent le dessus. Ou Blanchet qui nous fait encore une belle glissade. Et je vois que tu es sur Taxfins en vue intérieure. Caméra embarquée, ouais, avec... Et Tagfings, je regarde un petit peu parce que je vois que des pilotes sont relativement proches, mais en fait il y a un tour avec le Grips et oui. Le Grips qui est au milieu de. Alors on peut déjà souligner que sérieusement, donc l'avance confortable qu'ils ont pris tous les deux, ils n'ont fait aucun des deux des arrêts. Ça va peut-être valoir aussi son pesant de cacahuète à un moment donné. Quoi. Ouais, mais maintenant, attention. Ça commence à descendre. Hein. Attention, une petite notion pour Tagfings. Regarde, Tagfings, il a des dégâts aéro à l'arrière. On le disait tout à l'heure, c'est un circuit rapide. Tu le soulignais encore à l'instant, technique et rapide. L'aéro joue beaucoup. Est-ce que ça va pas le pénaliser d'avoir un petit dégât à l'aéro derrière? Certes, il a l'aspi, il peut compenser... Ce déficit, mais est-ce que si à un moment donné il perd l'aspi, ça va pas lui coûter très cher, justement? Ça, c'est l'avenir qui va nous lire, hein, parce que maintenant Nico lui aussi va devoir à un moment donné s'arrêter, et puis on a Jay qui, pas trop mal, les pneus sont encore frais, il lui reste un bon demi-réservoir, un peu moins d'un demi-réservoir, il est à 16 secondes des trois leaders, donc 5 secondes de Nico et presque 14 secondes de Daxlins, donc ça va être à surveiller, parce que Jay pourrait. Je dis rien à moi, c'est juste de la supputation. Hein. Mais on pourrait compter sur lui pour la deuxième moitié du parcours. Parce que en fin de compte, ça y est, on est arrivé à la moitié, mi-course. C'est ça. Ouais. Et donc, là, les petites stratégies, les petits arrêts vont maintenant valoir tout leur pesant de cacahuètes. Hein. 24 secondes de retard pour Mamas et un beau top 5 qui se dessine pour lui avec 8 secondes d'écart de part et d'autre, hein, aussi bien sur son prédécesseur que pour son poursuivant, Neiko, qui, je pense, Neiko doit s'en vouloir d'avoir peut-être... cette sortie-là est repassée par les stands.
Rien n'est fini, hein, on le sait tous, c'est le drapeau à damier qui racontera la fin de l'histoire. Et voilà, Nico et Jay repassent par les stands. Est-ce que c'était judicieux? Ouais, et Nico qui suit pour réparer ses dégâts en tout cas. Jay qui ressort juste derrière Nikos, hein. Bonne OP pour le pilote de la BFR qui va pouvoir grappiller une place supplémentaire certainement. En tout cas, au moins pouvoir attaquer Nikos. Alors. Bon, on a 32 secondes d'écart. Sans passage au stand pour les leaders. Ça va être très 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 compliqué malgré tout. Je pense qu'on pourrait peut-être, parce que moi je pensais sérieux que Jay allait essayer de plutôt recoller sur les premiers avant de faire sa dernière réappro. Est-ce qu'il va pouvoir tenir les 8 tours qui restent? Ça m'étonnerait. Est-ce que BM va pouvoir tenir les pneus face à la Porsche? Et ça aussi. Ça va être une question prépondérante. Ouais. Parce que malgré tout, bah, ce petit arrêt-là, un petit peu. Avant-gardiste, je ne dirais pas jusque-là, mais les 7 secondes d'avance de Mamas vont. Ouais. Lui, par contre, les pneus, il est très très bien. Mais question carburant, bah voilà, il lui reste plus que un quart maintenant, donc peut-être. Il a qu'un arrêt à faire. Deux tours. Clairement, il a qu'un arrêt à faire, alors que certains vont partir sur deux. Allez, les leaders au stand. Ouais, les leaders au stand. Ça va être. C'est là que on va voir exactement. Donc eux ne feront plus d'arrêt, hein. C'est sûr et certain que on ravitaille que pour un seul. Moi, suivre Mamas, du coup, qui à mon avis va. Probablement piter maintenant. Pour moi, en tout cas, ça serait le bon moment pour piter en voyant les. Non, il continue. Eh ben non. Et Floggers ressort devant lui. Et Taxfins aussi. On a réduit un peu l'écart. Maintenant, 3 secondes. Ouais, on va dire 3 secondes. Et Beetle qui surprend hein, pour l'instant, petit moteur, mais belle perf pour l'instant. Mais on va dire que l'hécatombe du début de course lui a profité, il est passé à travers, pas de dégâts, pas de casse, et ça c'est très très important. Et donc là maintenant on voit que Jay a pris l'ascendant sur Nikos. Ouais, il part quatrième, il lui reste plus que 11 secondes à rattraper. Par rapport au leader, j'aurais presque envie de dire que c'est presque jouable. Hein. C'est jouable, il reste 7 tours. Alors, j'ai envie de dire par rapport à plusieurs choses. D'une, c'est chaud, hein. L'erreur est permise, même au meilleur. Ouais. Déjà, personne n'est à l'abri. Et Jay, et mine de rien, j'ai l'impression sur un rythme assez rapide. Alors, certes, devant, c'est rapide, mais c'est moins régulier en plus. De 29, de 10, de 9, de 10, de 10, de 10, de 9. On revient sur Jet. De 9, de 26, de 9, de 8, de 8, de 8, de 8. Et là, actuellement, sur le deuxième secteur, en violet. Comme tu dis, tout est possible. On n'est plus qu'à 10 secondes 7. Il reste 7 tours. Jet peut aller le chercher. S'il nous entend, c'est une mauvaise chose. Il faut rester concentré, les gars, on le dit. Ne mettez pas le live pendant que vous conduisez. Mais s'il nous entend, ça va le booster, il va sortir ses colonnes, voilà. Comme tu dis, et voilà. Exactement. Et pour un bon retour sous les feux de la rampe de la Loco Sim Racing TV, eh bien oui, je crois qu'il nous écoute, hein. Il fait des appels de phare. Ben voilà, Jay, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il reste 10 secondes. Allez, même à ce stand. 11e tour, il les voit, hein. Il les voit, ça y est. Mais Nikos lâche pas, hein. Attends, Jay peut remonter et tout. Mais Nikos ne lâche pas, il est toujours derrière, il est toujours à la spi. Il peut toujours aller chercher Jay. Au dernier moment, clac-clac, faire un petit hold-up, ce que j'appelle. Mais c'est possible, tout est possible.
C'est dommage, Mamas. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps le tour de trop son Raya Pro. Ouais. Il aurait pu rester là entre les deux, peut-être. Il serait peut-être même ressorti entre Jay ou Nico. Et ouais, ça aurait pu peut-être lui donner un petit coup de boost pour rester collé. Et là, il a 26 secondes de retard et 15 déjà vis-à-vis de Nico. Donc, ça va être compliqué pour le pilote de la Honey Compétition. Mais un beau top sac se dessine pour lui. Bon, allez, on regarde ce que les extraterrestres sont en train de faire. 1,7 seconde d'avance pour le leader. Et oui, Floggers s'est emparé de la tête de la course. Et il mène la danse avec 1,5 seconde d'avance sur Tex Phoenix. Et il reste toujours le pilote le plus rapide sur la piste avec son 2,08-229 réalisé lors du deuxième tour. On le disait, la régularité. Dis-moi. Mais attention à Jay qui est en violet sur tous ces secteurs pour l'instant. Vraiment, on va le laisser travailler. Hein. Tex Phoenix, lui, deuxième. Et c'est vrai, hein, bon, voilà, on regarde les chronos là sur la droite de l'image. Et c'est un peu particulier. C'est quand même assez éclectique, hein. 2, 8, 2, 10, 2, 11, 2, 9, 2, 9. Et comme tu disais, c'est pas assez régulier que pour. Enfin, si, ils sont bien, ils sont leaders, quoi. Mais on voit que maintenant, eh ben, il reste plus que 8 secondes. 400 à Jay pour venir chatouiller. On est descendu en dessous des 10 secondes d'écart. Ça va être juste, hein. Ça va être juste. Ah, il reste 5 tours. Il n'a pas fait l'erreur à se décaler. Il a perdu un peu de temps. En fait, moi, ma théorie, c'est que là, Jay, voilà, avec sa BM moteur un peu plus puissant que la Porsche, c'est vraiment Nikos, voilà, qui doit se faire emmener par Jay. Mais par contre, si une perte de temps se fait, un mauvais freinage ou quoi que ce soit, un mauvais enchaînement, perte d'aspiration sur Jay et potentiellement, ouh, tu vois, comme là, je porte la poisse. Vraiment, on le dit à chaque fois, les casters portent la poisse. Les gars, coupez le live, coupez le live. Hein? Ça suffit. Oh, il est sorti un peu large avant l'entame du pont. Ouais, ça fait un peu frayeur aussi, quoi, parce que. Groupe 3 et R, puis généralement, ça fait pas bon ménage. Quoi. Ça fait pas bon ménage, et puis on le disait, hein, l'entame du pont, le vibreur, ce petit vibreur, et puis après, il y a un petit. Une fausse montée, un mini Dodan presque, on pourrait l'appeler, qui est super traître, et qui vient faire perdre tous les kilos de la voiture, quelle que soit la voiture. Quelle que soit la voiture, et c'est là où effectivement il faut bien gérer et pas se louper. Et tu vois, Nikos qui est plus dans l'aspiration du coup pendant qu'on dit ça de Jay, et ça va lui coûter forcément très 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 cher et probablement une place, parce que Jay peut aller chercher les places supérieures. Nikos en le suivant aurait pu également, mais là ça devient plus compliqué. Raison gardée, hein. Il reste 4 tours à l'entame de celui-ci, et on Tex Phoenix a réaugmenté un peu le rythme. On les voit au bout, hein, ils les voient, ils sont là, pas très loin, mais 9 secondes, ça, quand même d'écart entre. Oui, Floggers! Floggers qui vient se louper complètement! Qui vient se couper, casse moteur pour Floggers! Il a réaccéléré, il est sorti un peu trop large, réaccéléré trop fort au talus! Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh là oui. Beaucoup trop large. Beaucoup, beaucoup trop large. Et qui revient faire la même malgré sa casse moteur. Et de nouveau. Et là, ce n'est pas une place, c'est deux places qu'il vient de perdre. Il est en quatrième position. Écoute-moi, Loco, il est en quatrième position à 18 secondes sur ce qu'on voit sur l'affichage avec une casse moteur. Sur Mamas, Mamas qui va repasser, Neko qui va repasser, Nouche qui va repasser, ils vont tous repasser malheureusement de Floggers à 4 tours de l'arrivée. C'est le tournant de cette course et c'est forcément Tag Phoenix qu'en profite et qui a dû voir ça, qui a dû se dire
Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est la victoire sûrement qui se joue. Pas de dégâts en plus pour Porta Kings dans cet incident. Il garde toujours ses 9 secondes d'avance. Il a, et en plus de ça, il signe le meilleur temps sur la piste. On l'a énervé, le garçon. 2-0-7-258. Ça y est, le 2-0-8 est tombé. 2-0-7-958. Vous avez bien entendu. Et 9 secondes 350 d'avance sur Jay. Ça commence à faire sérieux. 4 tours encore à réaliser. Contre toute attente, on est revenu sur la P2 pour BFR Jay et sur la P3 pour Nikos VDA qui avait bien accroché les wagons. Certes, il a été décroché un petit peu et maintenant il y a près de plus de 2 secondes entre les deux hommes, entre Jay et Nico. Mais voilà, il y a podium qui se dessine pour eux. On est Mamas. Eh bien, le malheur des uns fait toujours le bonheur des autres. On revient sur une P4 et Phoenix Neiko. Eh bien, qui avait été le plus rapide, souvenez-vous tout à l'heure lors de la séance qualificative. Eh bien, sera quand même récompensé d'un top 5 à l'issue de la course si ça reste en l'état, et on vient de le voir avec Vloggers, tout est possible toujours à tout moment. Et voici maintenant même Nouche qui vient prendre la sixième position. Et, ouais, et alors, tu vois, c'est 45 perdus, tu es seconde, tu vois, et voilà, il va rentrer au stand. 45 secondes de perdu sur Taxis. Ils étaient au coude à coude, hein. Vraiment, on peut pas dire le contraire. Ils étaient en bataille. Drame, malheureusement, de Floggers. Voilà, maintenant il est obligé. Il faut qu'il ait donné le tout pour le tout. Il est à 3 tours de l'arrivée. Et il vient tout perdre. Il vient tout perdre sur une petite erreur qui coûte cher. Comme tu l'as dit tout à l'heure, mon cher Eloco. Circuit technique. Et rapide, mais qui dit technique, il faut pas se louper. Ça veut dire qu'il y a des endroits pièges et il s'est fait piéger à cet endroit-là précisément. Et ça a pas loupé. Ça a pas loupé pour malheureusement le pilote Floggers, pilote indépendant. Mais Time Things n'est pas à l'abri non plus. Personne n'est à l'abri. Une erreur peut vite coûter cher malgré qu'on soit à 3 tours de l'arrivée. Avec 10 secondes d'avance pour Time Things. Un vibreur, et c'est le drame. Alors, on a 10 secondes maintenant. 10 secondes d'écart entre Taxfinx et Jay. À moins d'un arrêt au stand, je vois pas ce qui pourrait vraiment... Jay, ça... Voilà. En vrai, une P2 qui se dessine pour le pilote de la BFR, fraîchement arrivé sur la compétition. Hein. Il vient en remplacement de Bled. Et pied levé, comme on dit. Pardon ? Au pied levé, comme on dit. Oui, c'est ça. Oui. Alors que ici, nous avons donc Nikos qui est resté sur la P3. Mamas, très bien sur la P4. Mais très bien. Eh bien, pas si bien. Attention, Naiko, il vise derrière. Oui, voilà, la seconde vient de fondre. Comme neige au soleil, on a maintenant, voilà, on rentre tout doucement. Et attention à la différence de moteur. Ça va piquer là. Bah oui, c'est ça. Ah quoi. Mais j'ai Beetle là, y a pas photo, mon cher Loco. Ah, c'est dommage parce que bon, allez, depuis qu'ils nous ont fait les calculs de DP, c'est vrai qu'elle allait tout bien, mais bon, qu'est-ce que tu veux comparer à V10 turbo contre 4 cylindres, peut-être même biturbo, mais c'est face, c'est pas comparable, c'est impossible. Quoi. C'est impossible. Bah non, et on le voit là, une demi seconde de récupérer en un secteur, c'est juste impossible presque. Allez, attention, ce petit vibreur du pont, ça passe pour Mamas et Naiko. Et donc, une belle bagarre qui se dessine là entre les deux pilotes. C'est pour une P4 qui est ouverte maintenant. Hein. Clairement. Soit elle reste à Mamas, soit Neiko fait le boulot et la conserve. Parce que c'est pas le tout d'aller la chercher. Il va falloir après la conserver. On voit que la défense de Mamas, malgré son... Oui, Neiko qui part la faute. Neiko qui part la faute.
Ah oui, et tu vois, obsèques, hein, c'est voilà, on va perdre 800 ou 600 millièmes directement. Et alors, une chance pour Neko, pas de de casse, mais voilà, on a été un peu freiné sur cette action et ces petites erreurs là, bah voilà, ça se paye cash. Cash, et c'est la speed perdue, hein. C'est la speed perdue, et c'est pas négligeable sur le circuit, comme on dit. Technique et rapide, qui dit rapide, la spi est importante. On entame le 16e tour pour Taxvins, leader toujours avec maintenant ses 10 secondes bien établies, bien déposées. BFRJ 84, lui, eh bien, contre toute attente, est bien remonté. Il est somme toute rapide, mais pas encore assez que pour avoir le meilleur temps en piste. Il a fait très bonne opération de Sars 111 pour le pilote de la BFR, revenu contre toute attente sur la P2. On retrouve en P3, eh bien, Nikos de la VDA, qui avait fait une qualif somme toute correcte. Si mes souvenirs sont bons, il doit être 5e ou 6e en qualif. Et puis là, eh bien, lui aussi fait la bonne opération. Il est resté chaque fois dans l'ombre. Dans le coup, comme on dit. Ouais, et bon, là maintenant, l'ombre s'est quand même un peu accentuée. Hein. Il y a presque maintenant 4 secondes d'écart entre les deux hommes. Mais je pense qu'avec ces 16 secondes dans l'avant-dernier tour d'avance, ça m'étonnerait quand même que Nikos nous fasse une erreur. Attention à la poisse du caster, on va leur porter la poisse, mon cher El Loco. Non, tu sais qu'il y a en plus un drame sur Sainte-Croix-Bée. Oh là 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 là. Voilà. Par contre, si maintenant on reste un peu objectif, on voit que son pneu avant gauche de Nikos et commence à être un peu en souffrance. Et les griffes, alors, Et donc, voilà, ça c'est peut-être du bonus pour Mamas, pour réduire l'écart. Ouais, ça, mais c'est bon, en un tour, ça paraît quand même compliqué. Ouais, voilà. Voilà, donc... Nico doit quand même rester vigilant parce que l'accroche qu'il a sur l'avant gauche commence à être un petit peu délicat. Et donc... Attention, là, Nico qui sort un peu large, qui a failli se faire surprendre par le petit tas de sable. Nouche, quand même, malgré tout, dommage pour Nouche. Redescend du P6 avec un bon départ. Et puis, l'erreur de là qui l'entraîne à revenir dans le stand avec un bride moteur. Il reviendra quand même sur la P6. Félicitations à lui. Pendant que, la cloche a sonné. Elle a retenti le dernier tour. Et programmé absolument. Ouais, on entend ça au bord de piste. Le ding 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 ding. Et On est sur Time Fix, hein. Toujours comme tu disais, 10 secondes d'avance sur Jay. À mon avis, un top 3 qui paraît bien dessiné dans ce dernier tour de cette German Cup Round 3 sur Sainte-Croix-Bée. Tankfinks, voilà, du coup, premier en haut. Je vous fais un petit checkpoint vite fait sur le classement actuel. Tankfinks devant Jay, Nico, Mamas 4ème, qui est bien parti, du coup, pour faire un top 4. Hein. Ainsi, Neiko 5ème, Nouche, du coup, 6ème position. Floggers, malheureusement, qui aurait eu des déboires assez malheureux. Une glissade qui leur a coûté cher, du coup, en 7ème position. Mishima, du coup, au 8ème rang. Free Spirit de la Rev Team également au 9ème rang, qui complète pour l'instant ce plateau. Et qui est le premier pilote à terminer? Non, c'est pas Mishima, c'est bien notre leader Tagfinks. On va rester avec lui, du coup. Pilote de la TFMR qui a bouclé, ses 17 tours. J'aurais envie de dire de main de maître, il était quand même dans les plus rapides en qualif. Et qui a bien profité de l'erreur de Floggers pour aller s'imposer tranquillement. Félicitations à lui, Attack Wings. Voilà, c'est fait. Qui vient s'imposer devant Jay. 11 secondes d'avance sur le pilote de la BFR. C'est une belle perf, mine de rien. 11 secondes d'avance comme ça, tranquillou. Mais, comme on dit, au bénéfice. On va prendre la troisième.
qui complète le podium. Félicitations au pilote de la VDA. Alors que Mamas ouais, s'avance sur la P4. Juste derrière à Free Spirit également. De la Honda Compétition. On a Meiko de la Phoenix. Les dégâts en top 5. Nouche, eh bien, conservera cette sixième place. Très bien joué. Bravo, les deux pilotes de la Phoenix. Petit doublé comme ça, milieu de peloton. Bien joué, messieurs. 6, ouais. Pas forcément 27, 7ème, je pense que celui, il doit l'avoir bien mauvaise. Bien mauvaise, comme tu dis, ouais, vraiment, sa petite réaxel qui lui aura coûté bien cher, malheureusement, au pilote de la Rev Team. La victoire, tout simplement, qui lui aura été coûtée par cette faute individuelle. Malheureusement, il peut s'en vouloir qu'à soi-même une réaxel trop forte sur le vibreur après une sortie trop large. Un plus 1, ça fait 2. Le dernier à rallier la ligne d'arrivée, eh bien, on quand même un petit clin d'œil à Rev Team Elmissima, qui est le dernier, le 8ème pilote qui va passer cette ligne d'arrivée. Meilleur temps en piste, 2-10 et quelques poussières. Eh bien, écoute, malheureusement, Gran Turismo, on ne lui accorde pas le temps. Et non, malheureusement. Le salon était ainsi paramétré. Merci Phoenix Aro. Bien joué Nouche, bien joué Naiko. Absolument Jay. Eh bien, félicitations pour cette remontada. Malgré tout, 11 secondes. Hein. Allez, on mettait 6 tours de plus. Il y avait peut-être moyen d'envisager de faire quelque chose. Quoi. Un run, c'est ça. Mais comme tu dis, 6 tours, c'est le temps d'un run. Mais voilà, 17 tours, c'est une course rapide, tout en étant en même temps stratégique. Faut allier les deux, fallait allier les deux, fallait pas se planter, parce que comme tu l'as suffisamment répété, circuit technique et rapide. Et malheureusement, c'est Floggers qu'en a fait les frais. L'erreur lui a coûté tout de suite cher, une casse moteur malheureusement. Et voilà, 7ème position. Mon cher Eloko, que de rebondissements ce soir. Absolument. On va faire un petit récap vite fait. Je préviens mes pilotes que je vais les interviewer. On fait vite le petit tableau qui va bien. Tax Vince va boucler ses 17 tours en 37 minutes 08, 885. Il sera le pilote le plus rapide au 12e tour en effectuant un tour complet en 2,07, 958. Belle prestation, monsieur. On soulignera très bien, eh bien la remontée exceptionnelle de BFRJ84 et qui réalise, lui, bien ses 17 tours en 37 minutes, 20 secondes et 857 millièmes. Il a 11 secondes et 972 millièmes de retard sur Taxfins. On note aussi, eh bien, très très bien, Nikos VDA qui, lui, réalise les 17 tours en 37 minutes, 24 secondes, 794 millièmes avec 15 secondes et 909 millièmes de retard sur la tête de la course. On salue bien sûr la P4 de Honey Mamas, le top 5 de Phoenix Naiko, la belle 6ème place de Phoenix Nouche, Floggers 27-2007. Malheureusement, il va s'en vouloir sûrement de cette petite erreur qui lui coupe un podium, aussi simple que ça. Il se limite à la 7ème place. Rems Team Elmissima est 8ème, Free Spirit est 9ème et nous avons perdu 3 pilotes au cours de la soirée. Hop, le petit voici, voilà, hop, la capture est faite, la rediffusion est sauvegardée et je vais de ce pas inviter les pilotes pour l'interview, hein. Bien sûr, t'as fini Jay et Nikos pour ce podium, comme tu faisais si bien le récap. Et j'ai presque envie de te dire d'inviter Floggers, ce grand malheureux de la soirée, comme tu disais, une toute petite erreur, mais qui lui a coûté tellement cher, tu parlais de perte de podium. Moi, je reste persuadé que c'est la perte de la victoire finale. Hein. Ils étaient au coude à coude pendant ces 15 tours avec Tag Fings.
Et au final, malheureusement, bah voilà, je vais devoir quand même aller dans le chat party parce qu'on a mal fait les choses. Oui, normalement c'était le contraire. C'était toi qui devais soumettre, C'est enfin pas bon, peu grave, importe. allez, c'est cadeau. Voilà, Bon, on est là. voilà. Je vais quand même revenir parce que, Dis-moi tout. allez. Alors, pas encore fini? Ben, nous c'était le feu ce soir. J'étais Boca TV. Et Ah, mon puis petit à Bouddha, otage. bonsoir à tous. Alors, j'étais Boca TV. Je vous aime, putain. Ah ben, nous aussi on t'aime, hein. Tranquille, sécurité, Nikos, il va le faire, oui. Très belle troisième place. Il complète le C'est podium, pas de Nikos. Belle, l'endurance, belle là, perf. mon circa. Ouais. Alors, et oui, bien joué, Nikos. Bien joué à tous, bravo. Je sais pas qu'il fallait réparer dans le même tour. Du coup, je suis rentré juste au suivant. T'as bien fait. Ce qui est fait n'est plus à N'est faire. plus à faire, et Les surtout sur un filles. circuit rapide de base comme Sainte-Croix, le mieux à faire, même si c'est une question de règlement, mais le mieux à faire, c'est d'aller réparer tout de suite. Tout de suite. L'As tout P2 pour Night Fox. C'est quoi ça? C'est du code entre vous? Oh, à mon avis, Night Fox, ça sent les résultats des poules A et B, mon cher Elko. Je ne suis pas sûr que tu vas avoir Floggers en interview, sais-tu? Je ne suis pas sûr. Non. Mais enfin, messieurs, merci pour cette belle soirée. Et on a qui nous a rejoint en attaque Fings, Jay, Nico, le podium. Tous les Félicitations trois. les gars! Bonsoir, merci, GG! merci, bonsoir. Merci. Merci beaucoup. Alors attaque Fings, première question. Quand t'as vu que ça glissait devant toi, tu t'es dit quoi au 15e tour? Ah, j'ai dit, bah, je me suis dit, dommage pour lui. Ouais. C'était vraiment des belles batailles. D'ailleurs, je sais pas s'il va réécouter le live, mais bravo à lui. Parce que franchement, la pression était là. Quand j'ai vu qu'il glissait, je me suis dit, ah, vraiment dommage. Et bon, bah, c'est le jeu, c'est comme ça, mais j'espère C'est qu'il. les aléas de la course, on est d'accord. Voilà. C'est la pression de fin de course, il restait 2 tours, vous étiez au coude à coude pendant clairement les 15 premiers tours de la course, il en restait plus que 2, vous étiez toujours au coude à coude, une erreur malheureusement pour le flogger, sortie un peu large, réaccélération trop forte, 1 plus 1 plus 1, ça fait 2. Voilà. Et voilà, mais grosse grosse bataille en attendant. Jay, est-ce que tu penses que tu aurais pu aller chercher Tagfinks et potentiellement du coup Floggers à ce moment-là? Bah, s'il continue à se batailler, peut-être, parce que je remontais quand même pas mal, mais une fois qu'ils sont décrochés et puis chacun ils ont pu suivre, c'était différent quoi. Je reprenais plus autant de temps. On a vu ouais, les chronos qui restaient entre 10 et 11 secondes d'écart. Mais après, perso, je serais resté sur la piste avec les dégâts. Hein. Ouais. Ah oui, à l'aspiration, je perds moins de temps qu'un arrêt. Alors, par Surtout contre, que je voilà, t'as dit le détail, la à seule chose que j'ai l'aspiration. profité à faire, c'est mettre l'essence. J'ai refait le plein, et puis comme ça, j'avais moins à mettre après. Mais sans plus. Mais est-ce que, du coup, par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que le fait de réparer avec ou sans aspi peut jouer? C'est-à-dire qu'il y en a qui n'ont pas réparé tout de suite et qui n'avaient pas l'aspi, ça leur a coûté potentiellement cher. Et d'autres qui auraient préféré attendre, mais comme tu viens de le dire, avec l'aspiration. Est-ce que tu aurais attendu de réparer si tu n'avais pas l'aspiration? Si j'aurais attendu, non, je serais rentré. Voilà. Si j'ai pas l'aspi, non, 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 si t'as pas l'aspi, c'est mort. On est bien d'accord. Après, la BM, elle a un bon châssis, donc elle compense un peu la perte de l'aéro avant. Mais, ouais, t'as besoin de l'aspi, quoi. T'as besoin de l'aspi, on est bien d'accord. Nikos, bien joué pour compléter le podium, du coup, troisième position. Merci. C'était quoi ton ressenti toi sur cette course, du coup, suite à tous ces aléas? C'était une course très difficile parce qu'au début de course j'ai mis un peu de temps à mettre dedans. Après bah j'ai vite remonté sur une bite, alors je sais plus c'est qui, je crois que c'est Mamas de Mamas. la Honnête, ouais. Après bah j'étais dans un No Man's Land, après il y avait Jay derrière moi, du coup bah j'essayais de le suivre mais compliqué. Et après il y a eu
Pluggers qui s'est loupé devant et je gratte un podium de nulle part, quoi. Parce que je pense pas que j'aurais pu monter sur le podium, en vrai. Ah, mais le malheur des uns fait toujours le bonheur des autres, C'est sûr, c'est sûr. Et la régularité a quand même payé de ton côté, quand même. Oui. Bah, je pense Donc. que c'est même ce qui, comme tu dis, Fred, c'est la régularité qui fait que Nikos est troisième. Parce que bon, certes, il y a 18 secondes d'avance d'écart entre Nikos et Mamas, mais Nikos, t'as pas fait une seule faute pendant cette course quasiment. Ou on t'a pas vu Oui. en faire en tout cas. Non, nous, on n'en a pas vu, nous. J'ai juste fait une toute petite quand je perds la spi sur G, et sinon, C'est bah ça. non. C'est exactement ce qu'on a vu. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Le moteur BM était meilleur, donc forcément, allait t'entraîner toi. Si tu perdais la spi, de base, ça allait être plus compliqué. Et à un moment donné, on l'a vu, tu avais 7-8 dixièmes de retard. T'es passé à une seconde 5. Et tout de Le suite, set est fini. c'est fini. Ouais. C'est ça. Ouais. Décrochage. Ouais. C'est ça. Mais en tout cas, belle course, en tout cas, à vous pour le podium. Vous nous avez offert du très très beau spectacle et une incertitude, même pour toi, Taxwings, tu vois. Même si Floggers a fait cette erreur, voilà, tout était possible. Le GIA aurait pu venir te chercher parce que Sainte-Croix est un circuit très très technique, mine de rien, et une petite faute était possible. Oui, Donc, c'est vrai. tout. Bah, quand j'étais en poule B, bah, j'avais fait un accident dès le début de la course. Ça m'avait foutu la rage. Je me suis dit, bon, en poule C, faut absolument que je remonte et que je sois minimum deuxième. Après, quand j'ai vu quand même le niveau en poule C, où il y avait quand même des gens qui étaient à 40 millièmes de moi, je me suis dit, là, ça va être chaud quand même. Mais voilà, je suis content de cette place. Franchement, Bah, je pouvais pas faire mieux en félicitations. tout cas. Ah bah on peut Merci. pas faire mieux qu'une victoire. Ça Ah, c'est sûr. c'est clair, quelle que soit la poule, on peut pas faire mieux qu'une victoire. Mais en tout cas, félicitations encore une fois. Oui, dis-moi. Merci, merci. On peut quand même peut-être rappeler que malgré tout, l'arrivée, à part Neiko qui fait son erreur sur le pont là, ou sinon, bah, le deuxième en qualif c'est Taxint en 2.06.956. Le troisième, il s'appelle BFRJ 84 en 2.06.996. Et le quatrième, c'est jamais que Nikos de la VDA avec un 2.07.270. Floggers n'était jamais que cinquième avec un 2.07.736. Donc les Donc, résultats finaux et les qualifs sont presque respectés. presque. Et Presque. c'est là Bravo, où messieurs, franchement. on voit les courses sur presque longue durée, hein, parce que 40 minutes, ça commence à être un petit peu long, hein, 17 tours, etc. Et là, il y a la stratégie. Et ben voilà, il suffit d'être régulier. C'est pas le tout d'être le plus rapide, mais d'être le plus régulier. La rapidité est un bonus qui permet effectivement d'aller chercher la victoire. Techlinks, t'étais le plus régulier, le plus rapide. Meilleur temps autour de 7.958. Pas de faute. Et félicitations du coup pour cette belle victoire devant G. Pilote Merci, de la merci. PFR, 37 minutes 20, comme tu disais tout à l'heure, Eloco. 12 secondes d'écart. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Et Nikos, du coup, qui vient compléter ce podium avec 16 secondes de retard sur toi, Timefix. Belle bataille, belle course. Hey loco, mon cher Fredo, Freddy. Dis-moi tout. Bon alors ici, messieurs, tout d'abord, encore une fois, un grand merci pour le spectacle que vous nous avez offert. Est-ce que vous avez des prochains rendez-vous dans les jours qui suivent sur des autres championnats, les FIA, préparation, autres? Non, du tout. Quand Du ce tout. livre, Pas pour Juste les l'instant, filles, à part ouais, voilà, voilà. les FIA, mais à part ça, rien de spécial. Que la Germaine. Voilà. Vous savez où on va la fois prochaine? Non. Non. Eh bien, Je nous ne sais pas. partons sur Sardaigne A. Ah, ouais. Nous Ah, serons le intéressant. 10 mars.
La manche 4 qui s'annonce. Et ben, vous allez avoir quelques jours pour vous entraîner, vous perfectionner. Deux semaines sur d'entraînement. Ouais, deux semaines, ça va aller. Hein. C'est tranquille surtout que voilà, comme vous l'avez dit, vous avez les FIA et uniquement la Germane pour vous entraîner. Ça laisse le temps et en tout cas ceux qui vont monter en poule B cette semaine, félicitations à vous. Ceux qui resteront en poule C, prochaine tentative, ne vous inquiétez pas. Neiko Nouche, du coup, 5e et 6e, malgré des petits déboires, vous pourrez notamment vous rattraper. Je pense à vous à la prochaine course. Jay, revanche dans deux semaines, ouais. Rendez-vous en poule B, messieurs. Rendez-vous en poule B, ouais. Ça va être. Tous les trois. Ouais, c'est ça, le coach. Tu me confirmes, Taxwing, Jay et Nico, ce qui monte, hein, du coup, c'est ça. Ouais, tous les trois, ouais. Sauf s'il y a des réclamations. Oui, en voilà, bien sûr, hein, mais on se base sur le résultat du live actuellement, voilà, bien sûr. Mais là, oui, en l'état, c'est trois pilotes qui vont monter en B. Félicitations à vous. Mais écoute, mon cher Eloco. En plus de remercier tous ceux qui nous ont suivis ce soir, qui ont été très très nombreux, hein, mine de rien, vous avez été presque une trentaine à nous suivre, toujours aussi nombreux, ça fait plaisir. Merci aux pilotes, encore une fois, et puis merci à toi, El Loco, de m'avoir fait confiance pour l'REA, clairement, c'est quelque chose d'énorme, c'était un vrai vrai plaisir. Et je te laisse le mot, un beau, très très beau challenge, c'est vrai. Ah oui. Parce que voilà, c'est particulier d'avoir une réa et le calife faut suivre. Voilà, ne dis pas tout. Je dis rien. Parce que la prochaine fois, j'aurai quand même ma grosse. Parce que ça m'a manqué, mon visage là, ma tête de vedette. On verra ta tête la prochaine fois, ne vous inquiétez pas, mesdames, messieurs, vous verrez notre ami Freddy. C'est incontournable. La chaîne El Loco Sim Racing, sans notre El Loco au visuel. Ce n'est plus la chaîne Eloco, on est bien d'accord. Mais des petits tests se font, etc. Et voilà, la prochaine fois, sans faute, vous verrez notre Eddy, il n'y a pas de problème. La fois prochaine, on reprend l'équipe normale de diffusion. Donc soyez très attentifs sur la communication de la German Cup qui se fait sur la page dédiée Facebook. Donc on retrouvera la VDA, la BFR et la GTS Boca à la réalisation et au commentaire. On ne sait jamais si d'ici la fin du championnat, il y a encore une petite place qui se libère. Je viendrai ennuyer mon copain Circa. Avec plaisir. Pour venir monter ma grosse fatch sur son live à lui. Avec plaisir. Avec plaisir, mais il n'y a pas de problème. Et en fait, c'est ça qu'on aime, hein, et Loco, c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est ce partage, en fait. À chaque fois, voilà, on est entre casters, etc., de telle chaîne, de telle chaîne. Mais en attendant, on n'a qu'une seule passion, c'est de caster, c'est de commenter ces pilotes qui nous offrent des belles courses à chaque fois, des beaux combats, des belles erreurs, comme nous ont offert Floggers, qui nous offre un tournant clairement de cette course entre Tagfinks et Floggers. Et voilà, nous, c'est ce qui nous fait kiffer et c'est ce qui nous donne envie de caster. Donc déjà, merci aux pilotes, c'est ce que je dis à chaque fois, parce que sans eux, nous, on n'aurait pas de cast. Merci aux spectateurs, clairement. C'est simple et clair. Eux, sans nous, on est rien. Ils savent jouer. Nous, sans eux, l'écran reste noir et puis on peut raconter tout ce qu'on veut. Il nous faut le visuel de la voiture. Donc, on laisse l'église au milieu du village. Et encore une fois, c'est un grand honneur que d'accompagner des pilotes comme on a vu ce soir. Fair play. Bon, un peu nerveux au début, ça on l'a senti aussi. C'est l'adrénaline. C'est l'adrénaline du début de course. On est d'accord. Mais c'était pas mortel non plus. Il n'y a pas eu mort d'homme. Voilà. Exactement. Voilà. Exactement. Il n'y a pas eu mort d'homme. Et, honnêtement, si je vois une réclame sur cette poule C, je serais surpris.
Surpris parce que de ce que j'ai vu, comme t'as dit, c'était beau à voir, il y a eu du fair play. En tout cas, messieurs Nikos, Jay et Taxwings qui est avec nous sur les lives, dites-moi ce que vous avez, si jamais, mais je pense qu'en termes de fair play, il n'y avait rien à dire. Oui, non, c'était bon. Il y a eu un cafouillage au début là. Je sais pas qui c'est qui se fait le moteur sur moi. D'accord. Oui, non, non, mais il y a eu des Il y a trucs, un petit ça truc oui, au début. voilà. Mais je pense, hein, il faut arrêter de faire des qualifs, les gars. On vous met tous sur la ligne, mais pas un derrière l'autre, un à côté de l'autre. Et vous devez tous démarrer en même temps. Voilà. Et ben pourquoi comme ça, pas? on est sûr et certain, ben, comme ça, on est sûr et certain qu'au premier virage, il y a des tués. Parce Ah que oui, non, c'est sûr. les qualifs, c'est pas l'histoire que le gars qui est le plus rapide, normalement, c'est lui qui doit s'élancer le plus loin devant. Le gars qui a fait le 9e temps, pourquoi est-ce qu'il est obligé d'aller se mettre entre le 4 et le 5? Il a pas fait ce temps-là. Donc à un moment donné, il va merder, soit il va mal rater le freinage, ou il va se passer quelque chose. Il vaut mieux que ça se fasse naturellement par le nombre de tours, par le rythme. C'est là que voilà, tu peux être une vedette en qualif, et puis après 3 tours, ben c'est fini. Et Parce c'est que t'as pour pas ça le que les rythme, tu courses sais pas aller tout. d'endurance ont leur intérêt, parce que tu vois que du coup, la rapidité assimilée, ajoutée à la régularité, à la gestion, et ben tout ça font que tu es un pilote qui sait gérer une course. Qui sait gérer une course. Et on l'a vu ce soir, 17 tours, 40 minutes, on commence à rentrer un petit peu dans plus ou moins les longues courses, parce qu'on est sur du virtuel, donc. Passer déjà 3 quarts d'heure, 1 heure sur sa console, ça commence à être long, donc on peut considérer presque comme l'endurance. Mais voilà, plus c'est long, plus c'est bon. Et comme tu disais, Fred, des qualifs, c'est bien, mais ça veut pas tout dire. Ça veut Non pas plus. tout complètement. Non. Et c'est Et pas parce prendre que un bon départ, c'est pas forcément prendre 5 places devant les autres. Hein, non, c'est au moins accrocher le gars qui est devant et pas le lâcher et bien le dépasser après. c'est ça. Voilà. Comme je dis, petite anecdote, moi sur les petits salons, j'adore rouler avec Ford, avec la Ford GT notamment. Et un petit détail que j'aime bien dire, la Ford, elle démarre très fort, mais elle s'éclate très fort derrière. C'est pour dire que voilà, c'est pas le tout d'être rapide, etc. Il faut être régulier, il faut tenir sa voiture, il faut rester sur la piste pour pouvoir terminer la course devant. Il y a pas photo, le résultat de la course est ce qu'il y a de mieux. Eh bien, je ne dirais pas mieux. Mais ma foi, mais tu me fous de la merde, mon petit Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous Fredo. étions sur la manche 3 C'est de la vrai. German Cup C'est vrai, qui c'est était vrai. réalisée par notre ami VDK Aldo et toute l'équipe de la Dédicace à VDK toi, Aldo qui Aldo. les soutiennent. Voilà. Peut-être qu'on fera une doublette casting sur le GT Fusion, peut-être un jour, peut-être avec Sir Kaway, pourquoi pas. C'est Douda qui nous suggère cela. Ne faut Pour rien ma dire, part, eh pas bien. de secret. Ouais, mais. Mais un petit spoil, Non, dis pas histoire tout. 2, On histoire dit pas 2, tout. Oui, histoire bah, 2, c'est ça tu qu'on vois, fait. clac, clac, exactement, t'avais Bon, allez. raison. Le programme cette semaine de El Loco Sim Racing TV, eh bien, on va être un petit peu relax jusque vendredi soir. Oui, 1h45 du matin, on se retrouve pour la division 1. Ce sera la course 3. On a un décalage maintenant avec la division 3. Donc on retrouve la division 1 à 1h45 du matin. Il sera 19h45 à l'heure québécoise. Et d'ici là, ben moi je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée, messieurs. Très bonne soirée, merci beaucoup. Prenez le temps de vous entraîner correctement parce que la poule B, ben, ce sera Autre un tout chose. petit peu plus costaud, peut-être. Ah, c'est Voilà. clair. En vous remerciant, mon cher Sirka,
Bah pour une première, c'était pas si mal quand même, hein. C'était énorme, et c'est ce que j'allais te dire, mon cher Loco. Franchement, moi j'ai adoré. Ça change des habitudes, tu vois. Autant pour toi que pour moi, ça change des habitudes. On se fait dans l'originalité, on se teste des trucs, et au final, on a passé une soirée. Franchement, moi j'ai kiffé. Moi j'ai kiffé, je me suis éclaté avec toi. Les pilotes nous ont donné du spectacle. Que demander de plus? Que demander de plus? Dis-moi, dis-moi franchement. Qu'est-ce que tu veux que je te demande de plus? Rien. Rien. La même, la semaine prochaine, avec autant d'enthousiasme, avec autant de compétitivité, avec autant de passion et d'amour, et puis d'acharnement pour être le premier à franchir la ligne d'arrivée. Voilà tout ce qu'on demande. Messieurs, continuez à être aussi passionnés. Merci pour le spectacle. Et puis, mon cher Circa, fais ta publicité. Vas-y, c'est ma chaîne, mais tu es Alors ici moi, chez je toi, n'ai comme dirait Jacques. qu'une petite pub à faire à la rigueur, c'est pour la manche finale. La manche finale, mon loco, que toi aussi, tu vas faire partie de cette Beno Manufacture Endurance League. Cette manche finale sur Le Mans, lundi, dès lundi, le start de la course à 20h30. Vraiment, ne ratez pas ça sur les chaînes de la GTS Boca TV, Aoub, BFR Nice et notre ami Elanco sur mon Racing TV qui également va caster la poule C pour toi si je dis pas Oui. dinguerie là comme ça de mémoire. Ça va être juste un délire. On est sur Le Mans, on va manger de la bonne rillette. En plus, c'est la dernière, point doublé, on va s'éclater. Les pilotes connaissent le circuit, il y a tout pour s'amuser lundi. Freddy, franchement, c'est la seule pub que je peux faire. À part ça, les gars, vraiment, El Loco, c'est The Place to Be. Fred, c'est The Place to Be. Abonnez-vous à lui parce que c'est The gars en or. Il faut continuer de vous abonner à lui et à de le soutenir parce que il le mérite. C'est un gars génial. Il vous propose des casses énormes. Il fait tellement pour la communauté Attends, que sans Circa! lui. Oui, dis-moi tout, dis-moi tout, dis-moi tout, dis-moi tout. J'ai 700 abonnés ce soir! Yes! Merci! Ah, mais c'est Félicitations, formidable! Merci, félicitations, messieurs! Formidable! félicitations. 700, moi loco, je suis tellement fier. Je suis tellement fier d'être avec toi pour ces 700. Eh ben, félicitations à loco. C'est que grâce à toi. C'est toi, c'est ton travail et ça fait plaisir. Félicitations à toi, moi loco. Et tu sais quoi, je l'aime mon verre. Nazdrovia pour toi. Oh, merci. Merci, merci. Ah, Ah, franchement, n'hésitez pas, du coup, j'en profite. Vu qu'on est dans les j'aime, dans les abonnés, on a plus de 700 pour El Loco. Le petit pouce bleu. Le petit pouce bleu pour El Loco, n'hésitez pas à pousser, 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 pousser! Il le mérite. Eh ben, ça va. C'est entendu. Dis, on rend l'antenne? On rend l'antenne. Mesdames, messieurs, sur ce, merci à tous. Merci à toi, Fred. Merci, Nico. Merci, Tagfings. Merci, Jay. Pour cette course exceptionnelle. Mamas, Naiko, Nouche. Floggers, Missima, Free Spirit, on vous oublie pas, bien sûr, vous êtes là, vous avez été exceptionnel aussi pendant cette course. Fred, les derniers mots, il est pour toi. Eh bien, je vous dis à très très. Ah, je suis en train de dire au revoir à la caméra, mais il n'y a pas le point rouge. Ciao, ciao, ciao. À très vite, les amis. Bonne soirée.